Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous vous parlions donc de ce cocktail organisé par Marc Mapingu ici à Paris, tel que vous pouvez le voir maintenant. Voilà. Tout le monde est là, tel que vous le voyez. Vous suivez bien sûr, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, cocktail organisé à Paris par Marc Mapingu, dans le cadre de son contentieux avec l'État congolais et surtout la presse congolaise, notamment le site officiel du Congo, géré par M. Jean-Claude Nkou, contre lequel Marc Mapingu a porté plainte pour diffamation. Cette plainte a été examinée aujourd'hui au tribunal de grande instance de Paris. Donc après le tribunal, Marc Mapingu a invité ses amis ici au cercle des armées afin de leur dire un mot par rapport à la situation du Congo et surtout d'alerter la presse internationale sur ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Donc mesdames, messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Moi, je rencontre le même problème que tu. Juste pour moi, tu as une commission à être trouvée. Alors moi, je t'ai mis là-dedans, dans le budget. C'est que imaginez fermer les yeux et imaginez que je passe quelque temps au soleil et vous verrez que ma tête aussi s'approche finalement de celle de Marc. Simplement, Marc est en France depuis près de 40 ans, mais le soleil de France et le soleil de Paris ne l'a pas fait blanchir, comme vous voyez. Voilà. Voilà les seules petites différences. Je voudrais remercier ici le colonel pour effectivement nous accueillir dans cette belle maison et dans ces lieux qui sont si inspirants que effectivement nous avons la chance d'être ici. Marc est un ami de longue date. C'est aussi un frère. Et
nous célébrons aujourd'hui, avec tous ceux qui sont là, nous célébrons aujourd'hui notre amitié pour Marc dans l'ipséité. L'ipséité, j'aimerais que vous reteniez ce beau mot de la langue française qui veut tout simplement dire, sans rentrer effectivement dans les longues conférences que faisait Jan Kelevich à la Sorbonne, qui veut tout simplement dire que nous sommes effectivement uniques. Unique, ça veut dire qu'effectivement, l'amitié, voire quelquefois l'amour, eh bien, se projette, s'amplifie et s'inscrit effectivement dans un autre être. Marc est de cela. Et c'est pour ça, effectivement, je vous remercie à nouveau d'être là. Je ne vais pas faire un long discours, parce que Marc, vous le verrez probablement, je suis professeur de l'université et j'ai l'habitude de tenir à peu près 2 heures. Mais je vais vous faire échapper à ça. Et donc, tout simplement, bienvenue. Merci, mon colonel, de vous recevoir. Et belle soirée à vous. Nous allons donc continuer la partie. Comme venait de dire André, c'est le printemps qui s'annonce. Et le printemps qui s'annonce, c'est aussi l'annonce de ces jardins fleuris, j'imagine. Dans ces jardins fleuris, on sait compter sur l'amitié, parce que lorsqu'on veut cueillir les roses, il faut compter avec les épines. Et l'amitié permet de surmonter tout cela. Alors, je voudrais donc que vous écoutiez maintenant solennellement M. Didier Doucet, qui viendra vous témoigner aussi de 2-3 belles paroles concernant sa forte relation avec Marc Lapierre. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie le colonel de son invitation et puis mon ami Marc, pour lequel j'ai des liens d'affection très étroits depuis très très longtemps, qui, dès qu'il a organisé cette manifestation, immédiatement a eu la fraternité de m'y inviter. Alors avec Marc, nous avons une relation fraternelle et amicale depuis très très longtemps. Parce que je l'ai connu à l'époque où j'ai fait beaucoup de cabinets ministériels, et notamment lorsque j'étais directeur de cabinet de M. Pierre Basse, qui a été l'adjoint le bras droit de Jacques Foccart au cabinet du général de Gaulle, et qui ensuite a été maire du 6e. Et alors, Marc a eu l'honneur et le plaisir d'être le filleul de M. Pierre Basse, puisque M. Pierre Basse était un intime du papa de Marc. Et M. Pierre Basse a pris continuellement Marc sous son aile à partir du moment où celui-ci était à Paris. Me concernant, j'ai eu l'honneur avec M. Pierre Basse et puis dans toutes les fonctions que j'ai pu exercer concernant l'Afrique, eh bien d'apprendre très modestement à connaître certainement pas, mais à aimer ce joli continent à qui je souhaite, malgré quelques soubresauts qui peuvent exister d'ici et là, la pleine prospérité. Et alors bon, je dois m'arrêter de parler pour ne pas parler très longtemps, mais donc je renouvelle toute mon affection à Marc, je lui adresse toutes mes félicitations pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout son cheminement. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous remercie de votre écoute. Voilà donc un monsieur qui vient ici à Paris dans le cadre de manifestation de solidarité à Marc Lapinot. Monsieur, ça s'il vous plaît, nous avons le droit de vous accueillir. Monsieur Lapinot.
Bonsoir. Je pense que parmi vous ce soir, il y a beaucoup de personnes qui ont assisté à l'audience tout à l'heure au palais de justice. Et cette audience est intéressante parce que, au fond, mon fils Benjamin, ici, défendait la cause de notre ami Barbapin. Alors, je ne vais pas parler de cette cause parce que tout le monde la connaît, tout le monde sait, au fond, ce qui se passe, et puis on s'ennuierait. En revanche, je voulais vous dire que j'ai œuvré évidemment longtemps pour que mon fils soit avocat, parce que je pense que c'est un des métiers où on est contraint d'être tout le temps plus intelligent que la personne qui défend la cause adverse. Et c'est une chose compliquée, parce qu'on est confronté systématiquement à des personnes adverses qui connaissent bien sa cause et qui va tout faire, absolument tout faire, pour convaincre le tribunal. Donc, j'ai assisté à la plaidoirie de mon fils, et j'étais attentif, évidemment, et on voit bien dans cette joute de la raison et de l'intelligence, comment est-ce qu'on peut planter le décor et comment est-ce qu'on peut gagner. Alors ça, c'est une affaire personnelle ou familiale qui n'a aucun intérêt en soi. En revanche, ça veut dire que dans le combat, au fond, que Martin Kingou entreprend et a entrepris il y a quelques années déjà, pour qu'un régime différent advienne au Congo, il va falloir faire preuve d'intelligence. Et il va falloir faire preuve de travail. C'est la seule manière pour que nous puissions tous participer à une nouvelle forme de gouvernement et de gouvernance au Congo. Autrement dit, il ne suffira pas de penser que les choses vont se faire toutes seules. Elles ne se feront pas toutes seules. Il va falloir s'y mettre, travailler et faire preuve de plus d'intelligence que la partie adverse. Même si la partie adverse, on le sait, emploie des moyens et des méthodes qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Raison supplémentaire pour être encore plus intelligent. Voilà. Donc c'est sur une note d'espoir et une note de travail que je conclurai mon intervention. Merci. Je pense que c'est moi. Oui. Nous avons encore un témoignage. Hein, c'est M. Pierre Dubost qui va vous parler. Je n'ai pas prévu, chers amis, je n'ai pas prévu d'intervenir, mais une invitation de Marc et puis une invitation d'autres personnes. Je vais intervenir de façon tout à fait particulière. Je suis un homme de l'éducation. Il n'y a pas d'avenir si nous ne savons pas mobiliser les intelligences. Et là, vous représentez un capital humain tout à fait exceptionnel. 1 plus 1 en société, c'est plus que 2. C'est l'avantage du social. Deuxièmement, si le développement peut se faire, il peut se faire que par la mobilisation des intelligences. Et il n'y a pas d'autre avenir que d'un avenir qui est conçu et développé par le terrain. Le terrain est tout. Il faut faire le contraire d'un certain monsieur Larousse qui se met à tout vent. Les bons agriculteurs savent qu'ils font semer sur des terrains préparés. Une réunion comme celle-ci, je pense, aide à avoir des projets partagés. Moi, j'ai suivi, j'ai été dans un certain nombre d'opérations de développement au niveau national et international. Ce que je constate, c'est qu'il faut casser un petit peu les barrières, bien analyser le terrain, échanger. Le développement, les organisations internationales ont découvert ce que nous pensions depuis longtemps, c'est que le développement est un phénomène endogène. C'est pas le développement, c'est les intérieurs, ça dépend de vous, du terrain. Et puis j'ai pensé pour un de mes amis, que j'ai suivi, qui est un Congolais, candidat à la présidence de la République, mais qui
qui a quelques problèmes, qui s'appelle Boukadia, qui est aujourd'hui emprisonné dans un état de santé, dans un état de santé qui nous inquiète. J'ai une pensée pour lui, c'est un homme de progrès. Il pensait, et je pense que quand nous aurons mobilisé les potentialités locales, quand nous aurons ensemble trouvé des projets qui mobilisent les intelligents, l'avenir nous appartiendra. Bon, merci. Nous allons donc clôturer la liste de ces messages. Mais avant tout, il m'a été prié de demander à notre sœur qui est ici présente, Marie-Roger Bidonois, de venir dire son mot. Et voilà, pour Marc. Et Marie-Roger. Elle ne peut pas te dire. Si, si, elle peut. C'est la parité. C'est un traquenard, mais j'y réponds. Pour dire déjà que Marc est un ami, que c'est pour ça que je suis là. Et également, parce que je soutiens la cause qu'il défend. Il faudrait un jour qu'on arrive à faire des élections en Afrique sans que ceux qui se présentent soient mis en prison. Voilà, et donc, je crois que nous soutenons tous la cause de la démocratie ici, de la justice. Et voilà, on ne peut pas jeter les gens en dos sans procès et sans motif. Voilà, et rien que pour ça, je pense que, vu la personnalité du général Moukoko, puisque personne ne l'a cité jusqu'à présent, je crois que... Aucune de mes mobilisations n'est trop grande et même je considère que on aurait dû entendre plus de protestations à la fois peut-être du côté congolais on entend un peu mais du côté français également parce que je crois que les liens du général avec la France sont quand même très très forts et on est un peu surpris qu'il soit abandonné en race campagne. C'est pour ça que je rends le voyage. J'ai tenu à venir soutenir Marc et bon, là il me demande, sans m'avoir prévenu, comme je dis, c'est un traquenard, de dire quelque chose, mais voilà, je suis de tout cœur avec tous ceux qui se battent au Congo comme ailleurs pour plus de liberté à la fois d'association, la liberté de s'engager en politique, la liberté d'être candidat et d'en sortir libre de ses aventures. Je pense à quelqu'un d'autre que je soutiens beaucoup, qui est Victoire Ingabire Umuhoza. Je suis présidente du jury qui décerne un prix. Voilà, je peux dire en sa mémoire, parce qu'elle est vivante. Mais elle est en prison au Rwanda parce qu'elle s'est présentée à une élection présidentielle. C'est exactement la même situation. Donc, je crois qu'il est temps que ça cesse. Et comme disaient les prédécesseurs, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait par la mobilisation, ça se fait par un travail continu, constant, en profondeur, et par des alliances, par la mobilisation. Merci. Merci. Bon, Marc, il te revient de nous dire pourquoi tu nous as réunis ici. Nous te remercions d'avance et voilà, je te fais la parole. Voilà, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, vous êtes tellement nombreux que il est difficile comme ça de nommer chacun avec ses titres et tout le reste, mais je crois que ce qui nous unit ce soir, c'est d'abord l'amitié. Et je pense qu'un intervenant avant moi a bien souligné que c'était par amitié
Et mon cher Alexis, tu parlais du printemps, donc de cette forme de renaissance. Tu parlais de cette terre du printemps, tu parlais des roses, mais en même temps, tu as précisé qu'il y avait des épines. Et toi aussi, tu t'es demandé pourquoi je n'ai pas blanchi. Pourquoi je suis resté noir? Est-ce que c'est le soleil qui m'a brûlé? Je ne sais pas, comme on disait chez les bénédictins. Mais pourtant, il y a une constance quand même, c'est que il y a quelque chose qui fait que mes nuits soient blanchies. Et cette chose, c'est mon pays. Marie-Roger venait de le dire tout à l'heure, parlant du Congo, un tableau que nous connaissons. Marie-Roger et moi, et bien d'autres Africains, nous avons participé à une réflexion que nous avait suggérée Sarkozy, il n'y a pas très longtemps, avant les élections. Donc, et cette réflexion nous demandait tout simplement de voir ce que seraient demain les relations franco-africaines. Bien sûr, on peut revenir sur le débat de la France-Afrique, on peut revenir sur le débat de la colonisation, mais Didier Doucet, qui est ici et qui a eu l'amitié de me dire un certain nombre de mots, je peux dire oui, je reconnais que j'ai été accueilli en France par vous, monsieur Didier et monsieur. Et ce fut l'époque où vous m'avez fait rencontrer Mesmer, vous m'avez fait rencontrer même Foucault d'ailleurs. Vous m'avez fait rencontrer tout le monde, Raymond Barre, et nous avons effectivement à cette époque, vous m'avez fait rencontrer tous les jeunes gaullistes qui montaient. Sarkozy était encore maire de Neuilly à l'époque. C'était les grandes batailles. Et j'ai connu, vous m'avez fait rencontrer des gens comme Jacques Godfrey, qui aujourd'hui est le président de l'association, la fondation Charles de Gaulle. Donc, je vous suis reconnaissant à tous les gaullistes. Vous l'avez signalé à travers mon passé, mon père et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Et c'est ce problème que je voulais effectivement évoquer ici avec vous. C'est le problème de cette génération africaine qui est à Paris. Pour la plupart des jeunes brillants, ce sont des gens qui aiment leur pays. Et je disais à Vers, devant témoin, je disais, il faut faire attention parce que ce discours, qui devait être le discours approprié par la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle, peut être volé par le Front National. Et ça n'a pas tardé. Aujourd'hui, beaucoup des gens pensent que la droite, comme la gauche traditionnelle, vous avez laissé tomber l'Afrique, l'Afrique montante. Et beaucoup sont restés dans des vieux schémas, des vieux réseaux, avec des autocrates fatigués et sans vision réelle pour leur pays. Voilà pourquoi j'ai dit « mes nuits sont blanches, mon ami ». Mes nuits sont blanches aussi parce que j'appartiens à un pays. D'abord, j'appartiens à une génération qui, en 90-91, après le discours de la Baule, après aussi la libération de Mandela, après la chute du mur de Berlin, et lorsque nous avons vu ce jeune Chinois affronter torse nu un char, on s'est dit quelque chose va se passer dans le monde. Et je suis reparti pour cette raison dans mon pays, le Congo. Et nous nous sommes battus. Et j'ai été soutenu par beaucoup d'entre vous. Et malheureusement, comme disait Brecht, le ventre d'où avait surgi la bête immonde n'avait pas été détruit. On a cru qu'à travers une simple conférence nationale, tout pouvait être réglé. Mais il y avait les racines de notre mal. Ces racines, c'était une culture totalitaire. 15 ans, 30 ans de communisme, et c'était pas facile.
Alors aujourd'hui, je viens devant vous, devant la France. J'aurai l'occasion de rencontrer quelques candidats. Merci Didier de tout ce travail qu'on va faire. Et leur dire tout simplement que l'Afrique a envie de savoir ce que ferez-vous de l'Afrique demain, et notamment de ces générations qui, en fait, ne se plaisent pas fondamentalement en France. La France, c'est bien, c'est vrai, la culture y est, c'est un bon climat, les gens sont sympathiques. Mais on est mieux que chez soi. Ces jeunes gens veulent repartir chez eux. Mais ils sont bloqués par des systèmes qui sont violents et des systèmes qui ne leur donnent pas la chance ni l'occasion de s'exprimer. Voilà pourquoi j'ai tenu, c'est une rencontre parmi tant d'autres, il y en aura d'autres, à ce que ma communauté, je veux dire africaine, mais congolaise particulièrement, rencontre aussi dans des lieux comme ceci, et lit leur opinion, et à travers un verre, leur dire, écoutez, voilà ce qui se passe dans notre pays, et nous sommes, et nous avons besoin de votre soutien. Bien sûr, je ne peux pas terminer ce propos sans parler de tous ceux qui sont en prison, sans parler du Mokoko, qui est un ami et qui connaît ces endroits parce que c'est un endroit mythique où il a dû prendre un verre par ici, en bon officier. Puisse l'esprit de tous ceux-là qui ont aimé l'Afrique et qui l'ont protégé, parce que nous sommes quand même dans la maison des armées. Donc c'est la protection. Puisse cette protection continuer à nous protéger, protéger cette Afrique montante, ces générations auxquelles il faut transmettre l'espoir, pour ne pas dire l'espérance. Alors, quand j'ai dit tout ça, je crois avoir plus ou moins défini le pourquoi de mon invitation. C'était tout simplement pour vous inviter à faire un peu plus attention à mon petit pays, à l'Afrique, et que les rapports demain entre l'Afrique et la France soient des rapports de partenariat, des rapports de respect, de dignité. Et ces générations que vous voyez, qui ont appris, qui ont voyagé, qui sont des gens cultivés, n'attendent que de vivre dans un monde harmonieux, où l'esprit de paix, l'esprit de tolérance devait être la chose la mieux partagée. Puisqu'on parlait du printemps, je ne sais pas si on le sent ici, je n'entends pas les cris d'oiseaux, mais je sais que bientôt, j'entendrai le bruit, peut-être, c'est comme ça qu'il faut le dire, ou le pétillement du champagne. Que la fête commence et je vous remercie. Je crois qu'on va se tenir à la disposition de services. Et vous avez les tables qui vont être montées ici également. Donc, vous allez vous contacter libre. L'objectif, c'est d'échanger, de faire connaissance, de se connaître mieux les uns et les autres. Je vous remercie. Bienvenue, Marcel. Ça va ? Ça va ? Content de te voir. Ou l'autre. Notre ami. Mon grand. Merci. C'était bien ? Bon, comme tu dis que... Merci. Ça va ? Ça, c'est très important. Ça va ? Ça va ? Voilà, messieurs, vous avez suivi donc ces différents discours ici prononcés par différentes personnalités en l'honneur de Marc Mapingu, qui bien sûr a évoqué son attachement en fait à ce Congo, le Congo qui fait blanchir ses nuits, le Congo qui
devient une préoccupation pour lui. Marc Mapingou, rappelez-vous, était le porte-parole, et toujours bien sûr le porte-parole du général Jean-Marie Michel Moukoupé. Vous êtes sur Zénative, mesdames et messieurs, la chaîne de la diaspora, et vous suivez ce direct ici à Paris, au Cercle des Armées, où Marc Mapingou a réuni des amis qui sont ici en France, aussi des amis qui sont venus de loin, d'Angleterre et d'ailleurs. Quelques points à tous aujourd'hui. Cette salle bien pleine, cette salle noire, ce sont des amis de Marc Mapingou qui sont là à ses côtés pour lui témoigner leur solidarité, pour lui témoigner tout ce dont un homme a besoin afin de se sentir aimé. Alors, vous les voyez ici, ce sont des personnalités françaises, ce sont une bonne partie d'hommes et de femmes venus en fait de France et d'ailleurs, ce sont les opposants politiques en grande partie congolais qui sont là, tel que vous pouvez le voir maintenant. Toute l'équipe de Zénative, mesdames et messieurs, s'est mobilisée pour vivre en direct exclusivement sur Zénative cette manifestation organisée aujourd'hui par Marc Mapingou avec ses amis, de leur dire et surtout de témoigner de leur confiance et de leur solidarité, tel que vous pouvez le voir maintenant, mesdames et messieurs, sur Zénative, la chaîne de la diaspora. Nous continuons en fait de faire vivre ces moments tels que vous le voyez en ce moment. Bien sûr, Marc Mapingou qui est là, bien sûr, avec ses amis. Alors, c'est un peu bizarre en fait cette soirée organisée par Marc Mapingou parce que on a l'impression qu'il y a une victoire derrière. On sent qu'il y a quelque chose, mais on a du mal à déterminer qu'est-ce que ça peut être. Comment a-t-il pu faire pour déplacer autant de monde? Vous avez vu le colonel qui gère cette maison, vous avez vu des personnalités de premier rang en fait françaises ici, des hommes qui ont été aux côtés de Jacques Rocard, des hommes qui ont été aux côtés d'hommes du général de Gaulle qui sont là autour de Marc Mapingou, parce que Marc Mapingou, vous l'avez connu aussi, est aussi un Gaulien. Par son père, un gaulliste, pardon, si vous permettez, de par son père. Donc, mesdames, messieurs, vous suivez Zénative, la chaîne de la diaspora. On va vous faire vivre cette ambiance. On vous laisse d'abord dans l'ambiance avant de reprendre l'antenne avec des hommes et des femmes qui sont là pour nous parler ce soir de Marc Mapingou. Amicale. Mon ami est un bon journaliste.
colonel. Respect, mon frère. Voilà, mesdames, messieurs, vous suivez donc Zone Active, la caméra. Au cœur de cette activité organisée par pour parler des choses sérieuses et comme j'ai toujours tendance à dire au chevet du Congo autour de mon grand frère Marc Mapingu qui à la suite du procès intenté contre sa personne a tenu à rassembler les Congolais ici pour parler du Congo et surtout interpeller la conscience des Français, la conscience des intellectuels, des journalistes sur ce qui se passe dans notre pays qui est d'autant plus grave que nous sommes surpris souvent d'une espèce de blackout sur la situation de Congo. Donc je suis très heureux ici de partager ce point avec aux côtés de Marc Mapingu et tous ceux qui sont là. Merci. Merci, vous êtes une belle île en fait. Mais de Marc Mapingu. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être invité à cette manifestation qui, dans l'ensemble, se déroule normalement. Et parler du Congo pendant que le Congo traverse des moments un peu difficiles, c'est vraiment chose aisée. Et je souscris à cette démarche, en effet, parce que ce que nous voulons, c'est un Congo uni, un Congo qui pense aux générations futures, aux générations présentes, à son bien-être. Et se réunir pour évoquer ces questions-là ne peut que me donner envie de retrouver mes frères et mes sœurs. Et Marc Mapingu, en effet, a fait un discours excellent qui évoque les relations de la France et de l'Afrique, mais des relations sur des bases saines, sur des bases prometteuses. Et effectivement, pour moi, c'est dans ce sens-là qu'il faut partir. Mesdames, tu m'as dit, Senga, ce que tu demandes la plus ce soir. Vous êtes ce soir du côté de Marc Mapingu, alors? Non, je suis du côté de la passion. Voilà, donc un homme passionné. C'est la semaine de la passion. Oui. Voilà, donc vous les voyez, vous avez fait des déplacements de Londres, de l'Angleterre pour la France, d'être sous forme de Marc Mapingu. Une réaction alors? Je pense que comme nous sommes tous ici et comme personne ne l'ignore, les Congolais sont plus que jamais déterminés, aussi bien ici à la diaspora qu'au pays là-bas. Je pense que les Congolais sont matures, les Congolais sont mûrs et Sassou Nguesso doit compter ses jours maintenant parce que nous sommes déterminés. J'ai fait le déplacement pour lui signifier
que plus que jamais, il est partant et Azoleka, Azotambola. Voilà pourquoi j'ai fait le déplacement, pour venir soutenir Marc Mapingu, qui, Sassou Nguesso, veut... il a été accusé d'avoir monté un foucou, je ne sais pas quoi. Mais bon, bref, Sassou Nguesso ne sait plus où donner de la tête, alors il attaque n'importe qui et tout le monde. Mais nous sommes ici sur un lieu symbolique. Où est-ce qu'on est ici, déjà? C'est déjà quoi le nom de la place ici? Le cercle des armées. Donc lui qui est général, qui est soi-disant général des armées, il sait ce que c'est. Nous sommes ici en France, à Paris, au cercle, dans le cercle, le lieu, un autre symbolique qui s'appelle le cercle des armées. Donc les choses, beaucoup de choses se décident par ici. Il comprend ce que c'est. Entendre et comprendre qui veut. Entendre et comprendre qui veut. Donc Sassou Nguesso Azotambola. Il n'y a pas que toi qui connais les lieux, nous connaissons. Nous connaissons les milieux. Nous voici, on est ensemble. Voilà, vous l'avez écouté, on est ensemble, mesdames, messieurs, vous suivez donc ce live sur Diana TV, la chaîne de la diaspora, ce soir ici, au cercle des armées, aux côtés de Marc Mapingu, des hommes et des femmes, de plusieurs nationaux, de plusieurs endroits. Alors là, vous retrouvez les gens qui est le type de l'image africaine, qui sera dès la première heure. Voilà, des noms et des visages qu'on va laisser nous reconnaître ici. Ce soir, mesdames et messieurs, la chaîne de la diaspora. Ce soir, qu'est-ce qui a fait que vous soyez là? Vous avez quitté Orléans pour venir le soutenir? Non, c'est pas une affaire de soutien, c'est une affaire de toutes les initiatives que quelqu'un de la diaspora qui veut qu'il y ait un changement à Brazzaville va faire. Il faudrait que tous ensemble qu'on arrive à le soutenir. Donc voilà, dès qu'au nom de ça, je ne pouvais pas ne pas venir. Et puis, il y a le fait que je retrouve tous les frères et qu'on discute. Parce que le grand problème, c'est de discuter. Benjamin Kounamani, cette soirée a comme un parfum de victoire. En fait, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on s'est retrouvé là. Tout le monde a la bonne humeur, champagne en main. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, ce qui se passe, c'est le fait que c'est surtout la retrouvaille qui a un parfum de victoire. En fait, nous avons la victoire parce que nous voulons. Vouloir, c'est déjà pouvoir. Le grand problème, c'est que nous sommes là, c'est un peu comme la poulet, c'est pour ça. Entre nous, nous avons chaud. Et nous croyons en ce que nous faisons. C'est pour ça que je pense que... Bon, c'est vrai que le champagne, par rapport à ce qui se passe à Brazzaville, c'est un peu de trop. Mais disons que nous croyons très très fort à ce qui se passe à Brazzaville. Et la diaspora, en tout cas, va se mobiliser pour pouvoir aider ceux de Brazzaville, parce que tous ensemble... on puisse effectivement apporter ce changement-là. Merci. Moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, toujours sur
Diana TV, la chaîne de la diaspora, telle que vous le voyez ici, au cocktail jubilatoire organisé par Marc Mapungu. Vous voyez ici les gens qui sont là. Celles sont comme un parfum de victoire, on ne sait pas trop laquelle, mais enfin, vous voyez, vous sentez les choses se passent. Ainsi, voilà donc un homme que vous connaissez, Antoine Pajkilou. On a l'impression d'un parfum de victoire ce soir. C'est quoi exactement? Les gens sont là, coupe de champagne à la main. Ben, les apparences sont trompeuses, hein. Même si la coupe de champagne est synonyme de fête, mais nous sommes là plutôt pour échanger après avoir écouté Marc Mapungu, le porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui était en audience au tribunal de Paris ce matin, parce que le gouvernement unique de Mpila le poursuit pour des incongruités. Merci Antoine Page. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, vous continuez à vivre avec nous en live sur Zana TV. Cette soirée organisée par Marc Mapungu, qui accueille ses amis ici au Cercle Interarmé, afin de leur parler non seulement de lui, mais aussi de pouvoir lui témoigner en fait leur amitié et surtout le soutien nécessaire. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous suivez avec nous Zana TV. Mais je suis bien content en fait de voir. Les couteaux de Sénat. Voilà. C'est la véritable. Oui, c'est. Ben voilà. Lorsque nous parlons des médias, en face de moi par exemple, j'ai un véritable média indépendant et qui fait son travail calmement, sûrement, et on finira par y arriver. Moi, Sigma Komo, la Lobina Binokaka, on continue, Nakatia, il y a résistance. On finira, on commence déjà à voir des signes de sortie de crise et on y arrivera. On est ensemble, le peuple congolais. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ici dans le cadre de cette non, c'est pas la victoire, mais c'est l'espoir. C'est pour dire au peuple congolais que le temps de la victoire arrive et que nous, en fréquentant dans ces milieux-là, il y a un espoir. Nous sortons des États-Unis où nous avons réussi à inverser le rapport qui sanctionne le pouvoir congolais. Nous avons pu annuler le voyage de M. Akola. Donc c'est pour dire que non, c'est des événements parfois qu'il faut encourager, souligner. Voilà, M. Makosso. Merci. De rien. Voilà, donc mesdames et messieurs, cette soirée ici à Paris. Quand même. Quelle victoire faites-vous ce soir, mon ami Sanélie Tamakamba? Vous avez une coupe de champagne à la main? Ce n'est pas une victoire, mais c'est une victoire. Nous fêtons aujourd'hui la continuité de la lutte. Parce que, bon, bien sûr, ça c'est une décision qui s'est imposée, on le sait, mais le peuple est mobilisé et le peuple restera mobilisé pour reprendre sa souveraineté. Donc, nous sommes là, c'est l'union sacrée et nous nous battons donc pour que ce régime arrête de brimer les populations. Voilà. Et donc, nous espérons que tout ça s'arrêtera assez vite. Merci. Voilà, donc on ne voit pas où, si c'est vrai, nous-mêmes l'avons cherché, on l'a pas vu, mais tous les autres sont là. Ah.
de champagne à la main, monsieur Mabin, quelle victoire vous fêtez ce soir? Il n'y a pas de victoire, c'est la tristesse. C'est le tristesse avec une coupe de champagne? Non, mais c'est la circonstance qui nous demande de prendre quelque chose. On ne va pas être tous dans la tristesse, mais nous savons ce qui se passe au Congo, ça nous fait très mal. Et ce qui se passe au Congo, où les gens sont tués, où il y a la famine, monsieur Sassou et sa famille sont en train de faire la fête, mais nous on ne fait pas la fête. C'est triste ce qui se passe au Congo, mais nous sommes en train de se battre à la place de Paris pour que nous puissions libérer le Congo. Donc, ce n'est pas une fête, mais plutôt, c'est les citoyens qui nous demandent aujourd'hui de prendre un peu de vin pour argumenter un peu la situation aujourd'hui par rapport à M. Mapimbu, le procès avec le système dictatorial de M. Sassou. Mais je crois bien, monsieur, c'est un Satan. Il vit que dans le mensonge. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dévoiler que ce monsieur, ce n'est qu'un Satan. Il est en train de mentir. Il est en train de piller le pays. Et nous disons que ça va terminer. Le soleil va se lever un jour. Merci. Je continue, il y a plein de gens.
au bien. Donc, c'est promis. Si, on va intervenir. Allô, ah oui, ah ben on est sur. Ah, Eli, vas-y, c'est en direct là. Oui, voilà. C'est en direct. C'est pas vraiment une fête, mais on est conviés à soutenir le doyen Marc Mapingu. Voilà, vous voyez que les bons esprits se retrouvent toujours ici à Paris. C'est toujours dans la suite du soutien. Voilà, la dictature ne peut pas gagner contre la démocratie. C'est cette démocratie-là que nous sommes en train de mettre en route. Et voilà, la machine est déjà lancée. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, après le tribunal, nous sommes venus ici effectivement, toujours par l'invitation de M. Marc Mapingu. Alors, après le tribunal, dont il a été poursuivi par un procès par Sassou Nguesso, soi-disant par tentative de coup d'État qui voulait fomenter au Congo Brazzaville. Faux. Alors, preuve en est que l'avocat a tellement bien défendu, il a bien expliqué la situation du Congo Brazzaville. Nous sommes là en soutien avec M. Marc Mapingu. Peuple congolais, vous qui êtes au pays, de la même manière, nous vous demandons d'être unis. Unis pour faire partir celui qui s'est accaparé notre cher beau pays. Donc, nous pensons à vous, surtout à vous qui êtes au pays, vous qui souffrez, vous qui êtes victime de la dictature, de la méchanceté de cette famille qui s'est accaparée notre cher pays. Donc, vraiment, merci, courage. Bambote a trop, Bambote a pas trop, Bambote a bien le pays. Donc, Bambote a trop, merci beaucoup. Ingeta, vas-y Eric. Alors, Batata, Bambama, Bandeko, le bosso, tout le président Bambote, il y a un boye pour la Mambi, Talimboka. Mais il y a un moussika Mingete. Nous allons continuer à condamner le bombardement dans le pôle. Nous allons faire ça. 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 Ingeta. Ingeta. Chers compatriotes, peuple congolais, comme vous pouvez le constater, le combat ne fait que commencer. Le monsieur 8% qui n'a pas gagné les élections présidentielles, qui s'était proclamé président du Congo Brazzaville, tout en sachant qu'il a triché les élections, il a porté plainte à monsieur le doyen Marc Mapingu. Et comme vous pouvez le constater, sur la place de Paris, tous nous sommes mobilisés pour soutenir le doyen Marc Mapingu. Mais entre tous ces échappements de monsieur 8%, c'est nul et non avenu. Nous, ressortissants congolais de Paris, eh bien, nous disons sur ce, malgré les massacres qu'ils ne cessent de commettre dans la région du Poule, et aussi de l'intimidation depuis la nuit des temps, monsieur Sassou, il ne vous reste plus pas assez du temps pour quitter le pouvoir. Vous allez partir, vous pouvez le constater, nous la jeunesse, on est debout, mobilisés, déterminés pour vous faire partir, par n'importe quel moyen que cela soit. Monsieur Sassou, tu vas partir, toi et tous les gounous de ton monde. Voilà. Et je voulais en profiter pour faire un petit coucou à tous les compatriotes. Nous pensons à vous, malgré l'intimidation de monsieur Hitler, Hitler africain. Les Européens, ils ont eu l'air Hitler. Nous, les Africains, nous en avons aussi eu une autre Hitler qui est monsieur Sassou Nguesso. Ingeta, Ingeta. Merci. Voilà, messieurs, on arrive à la fin de cette retransmission en direct. Merci à toute l'équipe de Zena TV qui s'est mobilisée ici pour faire vivre cet événement. Je rappelle que nous sommes ici au Cercle des Armées dans le cadre d'une manifestation organisée par Marc Mapingu. Marc Mapingu qui était en audience cet après-midi à Paris. Il a porté plainte contre le travail officiel du Congo. Et cette plainte a été jugée, analysée aujourd'hui au tribunal de grande instance de Paris. Après cela, il a attendu ici des centaines de ses amis pour partager un peu. C'est une soirée, je dirais, un peu bizarre pour qu'elle ressemble en fait à une victoire. Je ne sais pas trop ce que Marc Mapingu fait en fait, je dirais, comme action spéciale pour que le Congo se retrouve ici. Il y a une situation de soirée électorale à Paris.
Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Zana TV. Merci encore pour l'ouvrage que vous donnez aux hommes européens aujourd'hui pour l'action de Zana TV et qui vous permet de vivre le moment d'une manière assez intense. Merci à Nekokoumou Gakoche, une pensée pour lui. Merci à toute l'équipe. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir. Thank you.